Hey, salut les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on s'ouvre un produit très cool, Dualist Légendaire 1, ça fait extrêmement plaisir, notamment parce qu'à l'intérieur il y a du Toon, donc forcément qui dit Toon, alors pas autant que Toon Chaos, mais qui dit Toon dit extrêmement plaisir. Il y a également du Rage Ancien, il y a également du Bête Cristalline, il y a également du Red Eyes, plein de cartes vraiment très emblématiques, ça fait extrêmement plaisir de voir ce genre de produits qui vont à la fois ravir les joueurs compétitifs, puisqu'il y a des rééditions qui sont incroyables, les joueurs rétro, puisqu'il y a des cartes, je pense à Lien Cristallin qui valait une blinde, qui est réédité à l'intérieur. Donc les joueurs rétro qui vont être contents également de pouvoir continuer ou terminer leur deck. Et puis, beaucoup de nostalgie, il y a des packs pro, il y a des produits promo, etc. Dans cette petite boîte, je crois qu'il s'appelle une case, il y en a 8 à l'intérieur. Et bien tout simplement je vais en ouvrir 6, je vais en garder un scellé pour moi, pour ma collection. Et je vais vous en faire gagner un, je vais vous donner les conditions de participation à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous souhaitez participer. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous plaît, tout simplement. C'est le meilleur moyen de me soutenir, lâchez votre meilleur pouce si vous appréciez cette vidéo. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi j'ai pas grand chose à vous dire de plus, c'est parti, on s'ouvre cette pépite, let's go. Ok, donc hop, j'enlève le scellé. Alors je sais pas exactement comment ça s'ouvre. Ok, ça s'ouvre comme ça, tac, je vais les sortir, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment sont les produits à l'intérieur. Alors, je vais essayer de pas faire de bêtises, ça a l'air d'être bon. Tac, je vais en prendre un. Donc on a voilà, on a à l'intérieur un petit récap. Ah, c'est vrai qu'il y a le Red Eyes qui est rata à l'intérieur. Tant pis, il fallait bien que ça arrive. On a quelques cartes promo qui sont juste incroyables. Et derrière, on a deux boosters. Donc, c'est des énormes boosters. Je crois que c'est des boosters de 18 cartes, quelque chose comme ça. J'ai pas l'info, mais on comptera tout à l'heure dans la vidéo. Et on a surtout, alors là, on le voit pas, mais un petit produit scellé. Donc, celui-là, vous savez quoi, vu que je vous l'ai montré, c'est le produit que je garderai scellé. Celui-ci, c'est le produit que je vous offre, que je mets également sur le côté. Et puis, bah, on va s'ouvrir les autres. Je viens de tomber, voilà. On va s'ouvrir les autres dans cette vidéo. J'ai beaucoup trop hâte. J'attends vraiment rien de particulier. Peut-être Lien Cristallin, parce que j'aimerais bien finir... J'ai galéré. J'aimerais bien finir... il m'en manque deux, en fait. Donc, j'aimerais bien finir mon deck Bête Cristalline. Mais en soi, j'attends pas grand-chose. Alors, waouh, je galère à l'ouvrir, dis donc. C'est des boosters qui ont l'air juste énormes. Alors c'est vrai que dans chaque paquet, on a des produits scellés. Voilà, juste ici, on a une carte plus une partie de Pulse. J'aime bien les garder scellés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté. Si j'en ai plusieurs, je les ouvrirai. Sinon, j'attendrai pour les ouvrir, tout simplement. Pour les garder scellés, tout simplement. Et puis, voilà, c'est 18 cartes, je ne me trompe pas, édition française. Et on a une nouvelle rareté dans ces boosters, c'est vrai. Alors c'est pas une nouvelle rareté, mais c'est, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la rareté, justement. C'est tout simplement la rareté Duelist League avec les titres de couleurs. Alors on va commencer avec un petit gadget rouage ancien, donc c'est beaucoup de communes à l'intérieur. Bête Cristalline Pégase qui fait plaisir, Parasite Paranoïaque, la petite Vouivre qui est incroyable, Libération de Cristal, Revolver Dragon Toon, ça fait extrêmement plaisir, Grande Valeur qui fait plaisir, le petit dragon métal noir qui fait... Voilà, je vais dire ça pendant toute la vidéo, mais ça fait plaisir, hein, clairement. Le petit renoncé, tranchant cyber ténébreux, dragon rétro aux yeux rouges, impact cyber ténébreux, tac, furtif de la mer qui est cool, griffe cyber ténébreuse, dragon crâne noir. Il n'y a pas plus emblématique que cette carte-là, clairement. On a appel amazonaise, donc vous voyez ce fameux titre bleu qui est plutôt assez intéressant. L'illusionniste aux yeux millénaires, qui est une carte incroyable pour le deck yeux millénaires, enfin yeux Thousand Eyes. Et derrière, on a le petit Revenger Mechabot, qui est une des nouvelles cartes, puisqu'il y a 5 ou 6 nouvelles cartes, j'ai un doute, franchement, dans cette extension, et le Revenger en fait partie. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Hop. Tac. Alors, Golem Rouage Ancien, Frappe Ultime, Cyber Dragon Toon, qui fait plaisir. Chemin Arc-en-Ciel, Gravité Arc-en-Ciel, Réfractation de l'Arc-en-Ciel, le Golem Rouage Ancien, Soldat Galantoon, qui était une carte qui était incroyablement difficile à obtenir et qui est rééditée en commune, donc c'est extrêmement cool. Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, Renoncer aux Mille Yeux, Vivre aux Yeux Rouges, Poussin Dragon Noir aux Yeux Rouges, la Fusion. La Fusion qui va être utilisée pour Dragoon, donc ça c'est quand même plutôt cool. Princesse Amazonesse, Zone de connexion Véhiroïde, Assaut Amazonesse. Derrière, on a le Revolver Dragon Desperado, avec le titre bleu qui est juste incroyablement beau. On a le Supra Dragon avec le titre bleu qui est incroyable également. Et on a la petite fureur de Kaioshin. Kaioshin qui est extrêmement emblématique puisque c'est tout simplement l'île des duellistes avec le fameux Mako Tsunami. Je vous avais fait son deck profile il y a quelques temps. C'est une carte que je pourrais clairement rentrer à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les 5 autres boîtes et on va pouvoir tout simplement s'ouvrir les boosters un peu à la chaîne. On se retrouve tout de suite.
Ok, donc on se retrouve pour la vidéo. Donc là, en l'occurrence, dans les paquets promo, eh bien, j'ai eu deux petits bébés dragons aux yeux rouges. J'ai eu deux fois la piège également, un dragon lame aux yeux rouges et une petite fusion rouage ancien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas les ouvrir, clairement. Je vais les laisser sceller. Derrière, on a... je vais vous en ouvrir un quand même, juste pour vous montrer. Derrière, on a en fait tout simplement une carte qui peut clairement être utilisée comme un field center. Hop, donc là, en l'occurrence, c'est Crowley. Et derrière, on a une petite partie de puzzle. Alors, j'ai pas l'image, mais j'essaierai de vous l'afficher juste ici. En fait, une fois qu'on assemble toutes les cartes, ça nous fait une petite image, tout simplement. Donc, le petit Crowley qui est super sympa. Pour moi, un field center, une carte de collection, une carte de deck, comme vous voulez. Mais ça reste très, très cool. Le reste des cartes promo, je vais les garder. Bon, allez, je vais ouvrir. Je vais garder celles que j'ai. Je vais les garder x1. Et puis, je vais les ouvrir. J'ai quand même envie de partager tout ça avec vous. Hop, je vais essayer de faire vite quand même, parce que j'ai l'impression que cette vidéo va durer 1000 ans. Sinon, derrière, on a le petit Sirius. Et ah ben voilà, là on a l'artwork complet. Donc voilà, si vous assemblez toutes les parties du puzzle, ça vous donne ça. Et là, le petit croc aux yeux. C'est une carte incroyable, tout simplement. Tac, on va se mettre ça là. Et puis ben, regardez ça un petit peu. Regardez cette pile de boosters juste énorme, hein, clairement. Elle est énorme. On va s'ouvrir tout ça. On espère, le petit lien cristallin me ferait plaisir quand même. C'est vrai que le lien cristallin me ferait plaisir. Buster Blader Toon, Ténèbres Ultime, Magicien des Ténèbres. Ça fait, oh, regardez ça, le petit Red Ice Toon. Incroyable. Le petit Dragon Réacteur Rouage Ancien. Ça, c'est une très bonne réédition. Les Ruines Arc-en-Ciel. L'Aigle de Cobalt, la Magicienne des Ténèbres. Même si on l'avait déjà eu plein de fois en dupo, ça fait toujours plaisir. Le Renoncé aux Mille Yeux, Souffle du Feu de l'Enfer, Assaut Amazoness, le Sorcier Masqué Toon. Poussin dragon noir, ça fait extrêmement plaisir. Ce n'est pas un monstre aux yeux rouges, hein, du coup. Canon cyber ténébreux, le rituel de la noire illusion. Derrière, on a Heavy Metal Raider avec un nom bleu. Ouais, c'est bleu. Très intéressant, le lien cristallin. Alors, c'est pas une commune, du coup, je me trompe. C'est une super, mais ça fait quand même extrêmement plaisir. Et derrière, on a une nouvelle carte également, c'est la malédiction du dragon, le dragon maudit. Donc voilà, ça fait... Eh bien, je suis très content de ce booster, messieurs, dames. Ça me fait extrêmement plaisir. Tac, on enchaîne. On a quand même plein de boosters à s'ouvrir. Baitrekane, Aigle de Cobalt, la Catapulte, Rouage Ancien, le Golem, Rouage Ancien... Ancien Ultime, pardon. Abondance de Cristal, le Gadget, Rouage Ancien, Duel Transdimensionnel, l'Arbre Cristallin, qui est cool également, Rituel de la Magie Noire, le Renoncé... Bah, ouais, c'est un package, ça va vraiment ensemble. Le Renoncé aux Mille Yeux, Dragon Rétro aux Yeux Rouges, Sorcier Masqué Toon, Dragon Crâne Noir, j'ai l'impression qu'il tombe quand même assez souvent. Assaut Amazoness, la Vourivre aux Yeux Rouges. On arrive sur les cartes un peu sérieuses. La baleine citadelle, le pont arc-en-ciel qui fait plaisir. D'ailleurs, on a à nouveau la malédiction du dragon. Mais voilà, ces deux cartes-là, c'est quand même très très cool. C'est un tuto et une baleine citadelle qui n'avait pas été détruite depuis un bon petit moment et qui avait une bonne valeur. Donc, en soi, on est bien. Alors, le dragon réacteur rouage ancien. Vraiment, les joueurs rouage ancien et bête cristalline, ils vont être ultra contents. Allez, ça, petit arc-en-ciel. Bon, les joueurs toon également, hein, on va pas se mentir. Le petit tigre de topaz qui n'avait pas été édité depuis... très longtemps. Le chat d'améthyste, le l'armature rouage ancien. Ah, ça me fait mal et je suis content en même temps. C'est le nouvel artwork et les ratas du dragon sombre métallique aux yeux rouges qui passe en hard once per turn. Donc ça fait un petit peu chier, on peut plus le faire qu'une seule fois par tour, on peut plus en abuser comme on le faisait avant. Mais bon, c'est le jeu et je comprends tout à fait. Le retour des yeux rouges, les fusions aux yeux rouges, le renoncé, le manga Ryuran qui est un des seuls toon qui n'a pas toon dans son nom. Voilà, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Dragon rouge, dragon rétro aux yeux rouges, griffe cyber ténébreuse. Dragon crâne noir qui tombe vite. Waouh, véritablement super. Souvent, j'ai beaucoup de mal à parler, je m'excuse. Mais bon, c'est un peu l'euphorie de cette vidéo. Revolver Dragon Desperado. Derrière, on a Heavy Metal Raider et le petit Führer Kaioshin. Je me demande si on n'avait pas déjà eu un booster qui avait plus ou moins les mêmes ouvertures. Le fait qu'il y ait énormément de cartes à l'intérieur, eh ben, ça fait des ouvertures qui sont assez longues. Vrivre, Rouage Ancien, Troupe d'Assaut Goblin, Ruine Arc-en-Ciel, Grande Valeur, Bête Cristalline, Pégase. Le dragon paranoïaque, le golem rouage ancien Toon qui est une très bonne carte, libération du cristal, alligator Toon, océan légendaire, impact cyber ténébreux, attaque furieuse de mer, la princesse amazonaise qui fait plaisir, la fusion aux yeux rouges qui est une excellente carte, crâne invoqué Toon, le supradargon arc-en-ciel en violet qui est incroyable, l'illusionniste aux yeux millénaires qui est terrible également, et le lapis Melfi qui est un archétype qui va arriver... incessamment sous peu chez nous, j'ai pas du tout la date, mais c'est une carte qui est très mignonne, donc en soi c'est plutôt cool.
Dragon arc-en-ciel des ténèbres, parasite paranoïaque, peu importe. Golem, rouage ancien, Toon, revolver dragon, Toon. La reine insecte métamorphosée qui est une bonne carte également d'insectoraga. Le cyberdragon Toon, l'ancien ultime golem rouage ancien, le métal sombre. Tranchément cyberténébreux, le renoncé aux mille yeux, la queue cyberténébreuse, le pêcheur légendaire numéro 2, ça c'est quand même une bonne réédition. Sorcier masqué Toon qui fait piocher, donc c'est cool. Dragon cyberténébreusement, ça c'est une très 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 bonne réédition. Moi qui joue cyberténébreux, et bah, ça fait plaisir. Le petit yeux rouges corrompus, ça c'est une édition incroyable. Derrière on a Megaton et ça fait plaisir. Megaton avec un titre violet. Franchement je trouve que ça rend très très bien. Les joueurs rouges anciens vont être très contents. Ouah, j'avoue, je savais même pas qu'il y avait cette carte à l'intérieur. Dragon des métals flamboyant aux yeux rouges, une carte qui burn à fond. Et d'ailleurs on a le petit Melpi. Mais j'ai l'impression que ces boosters sont incroyables quand même. Déjà on a plein de rééditions qui font extrêmement plaisir. Aussi bien pour les joueurs compétitifs que pour les joueurs fun. Et surtout, on a des cartes juste incroyables. Bénédiction de cristal, contre-gemme, revolver dragon, conclave de cristal, bête cristalline Pégase, chemin arc-en-ciel, la machine à voyager dans le temps. Ça, c'est plutôt une carte de bandigaine, si je me trompe pas. Libération du cristal, le renoncer aux mille yeux, vouivre aux yeux rouges, assaut amazoness, zone de véhicule véhiroïde, pour dragon poussin dragon noir. Le canon cyber ténébreux, l'alligator Toon, bah décidément, je pensais pas qu'il tombait aussi souvent, on en a deux en deux boosters, c'est quand même plutôt cool, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, le dragon noir aux yeux rouges avec le titre vert, il est juste incroyable, d'ailleurs on a le petit Lapi Melfi. Allez, on enchaîne sur cette ouverture de booster. Vraiment, je la trouve, cette extension, c'est même pas pour la mettre en avant ou quoi que ce soit, mais ça me fait extrêmement plaisir. Il y a plein de très très bonnes cartes à l'intérieur. Arbre cristallin, le Pégase de Saphir, Dragon Toon aux yeux rouges, la Bénédiction de Cristal, Balise de Cristal, Libération de Cristal, Dragon Réacteur, Rouage Ancien, Écaille Corrompu qui est, si vous regardez bien, c'est une scène de l'animé. Vous savez, le Gaïa perd plus ou moins de l'attaque et il fait la carte de crâne invoqué qui fait tomber de l'eau et ça le lave, c'est un ruling totalement débile, mais c'est tiré de ça. Dragon noir aux yeux rouges, dragon noir météore, pierre noire légendaire, ça c'est une excellente réédition dans cette extension. Dragon de métal noir, souffle du feu de l'enfer, la sirène Toon, griffe cyber ténébreuse, rituel de l'illusion. Derrière on a la magie, le renoncé de la fusion qui est une très bonne carte, table des matières Toon avec le petit titre violet, mais c'est incroyable. Et derrière, on a Fureur de Kyrushin. En fait, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que les nouvelles cartes sont systématiquement à la fin du booster, en fait. On a forcément une des nouvelles cartes. Grande valeur, le golem ultime, le golem rouage ancien frappe ultime, chemin arc-en-ciel, gravité arc-en-ciel, golem rouage ancien classique, soldat canon Toon classique. Enfin, classique, non, mais c'est quand même un soldat canon Toon, ça fait plaisir. Revolver dragon, l'elfe hégémonie Toon, je crois qu'on l'avait pas encore vu. Appel urgence roïde, princesse amazoness. Oh, dragon des ténèbres aux yeux rouges, ça c'est une très très belle carte également. Vision aux yeux rouges, crâne invoqué Toon évidemment. Ville mégaroïde, une très bonne carte pour les cartes roïdes. Oh, on l'avait pas eu, le petit dragon Toon aux yeux bleus. Très très belle carte, voilà, tout simplement. Bébé tigre amazoness, carte qui est indispensable dans amazoness, qui avait une belle petite valeur, donc le fait qu'elle soit rééditée là-dedans, ça fait très plaisir. On a encore un supra dragon, vraiment les titres de couleurs, je trouve ça incroyable. Et derrière, c'est ça, c'est la malédiction du dragon, c'est systématiquement les nouvelles cartes qui sont à l'intérieur. Il nous reste deux boosters à ouvrir. Est-ce que j'aimerais bien avoir un autre lien cristallin? Oui, mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Franchement, cette ouverture est tellement incroyable. Je trouve les cartes qui sont vraiment terribles. Donc, en soi, c'est pas grave du tout. Cyberdragon Toon, Golem Rouage Ancien Ultime. Golem Rouage Ancien Ultime, oui, c'est ça. Réfractation de l'Arc-en-Ciel, Duel Transdimensionnel, le Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres. C'est ça, des Ténèbres, oui, c'est ça. Troupe d'assaut Goblin Toon, Hydre Rouage Ancien, le petit Golem Rouage Ancien, le petit Métal. Attaque furtive de mer, vision aux yeux rouges, la fusion, on en aura eu un playset, vraiment cette carte là pour Dragoon va être incroyable. Manga Ryuran, corne cyber ténébreuse, griffe cyber ténébreuse, en bleu, putain en bleu, il a grave de flow, on le lit presque pas, je trouve ça justement ultra stylé. Le petit Megaton en bleu aussi, vraiment noir et bleu ça rend ultra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve ça incroyable. Et derrière, on a le Revenger Mechabot. Allez, dernier booster de cette ouverture, qui aurait été quand même assez consistante. Hein. Le paquet de cartes ouvert est juste énorme. J'ai l'impression d'avoir ouvert une display, messieurs, dames. Réfracteur de l'arc-en-ciel, du astro-traditionnel, Tortue d'émeraude qui est cool, Assaut Goblin,
Gadget rouage ancien, le Pégase, la Vouivre, Libération de Cristal, Assaut Amazonès, le Retour des Yeux Rouges, Rage du Kaioshin, Alligator Toon, Océan Légendaire, le Super Véroïde Base Mobile, Impact Cyber Ténébreux. Et derrière, je crois qu'on commence, on termine avec un booster qui ressemble beaucoup à celui avec lequel on a commencé. Appel Amazonès en violet. Derrière, on a Magie du Cristal Ultime. Et on termine avec un petit Revenger Mechabot. Je vais pas vous faire un récap des communes, on va se faire juste un récap des raretés qui sont tombées et des différents titres de couleurs. Donc là, en l'occurrence, on a du violet, là, on a du bleu, on a encore du violet ici, encore du violet, on a du vert qui rend vraiment très très bien. Vraiment vert, c'est incroyable, je trouve, le violet, le bleu qu'on a déjà sorti. Les fenêtres, peut-être que c'est finalement tout. Finalement, c'est tout en termes de couleurs. Donc on a, juste pour vous faire un petit récap, du bleu, du violet, du vert. Il y a peut-être d'autres couleurs qui sont tombées, j'en ai aucune idée. De mémoire, dans les DL, il y a du rouge, du bleu ciel, du orange. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres couleurs, j'en ai aucune idée. On se fait un petit récap, je vous les repasse rapidement. On a eu Megaton, on a eu Bébé Tigre Amazonès, le Supra Dragon qui est une très très bonne réédition. Petite tape des matières en violet qui est juste incroyable. Le Dragon noir à yeux rouges également en vert, qui est très très beau. Le Métal Dragon en vert, je trouve ça, je sais même pas si je le préfère en vert ou en bleu. Enfin, en tout cas, c'est très très cool. On a eu un petit illusionniste aux yeux millénaires, ça c'est cool. Le petit Vril Desperado qui est cool également. Baleine Citadelle qui est tombée une fois. Pont Arc-en-Ciel et derrière on a eu Lien Cristallin. Ça fait plaisir, hein, clairement. Il me manque encore quelques cartes pour terminer, mais ça se rapproche du but, hein. Et derrière, on a eu voilà ces cartes-là pour terminer. Ça me fait extrêmement plaisir. Je rappelle, évidemment, cette boîte est à gagner. Elle reste scellée, elle est pour vous. Pour participer, c'est extrêmement simple. Vous devez aimer la vidéo, être abonné à ma chaîne et me dire en commentaire pourquoi vous devriez plus gagner, vous que les autres. Alors le commentaire pourquoi, c'est juste histoire de vous faire participer, évidemment c'est un tirage au sort. Mais dites-moi quand même, ça me fera délirer de lire tous vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, je ne l'ai pas précisé, mais merci à Konami pour ces boîtes, puisqu'elles m'ont été offertes par eux, et ça me fait extrêmement plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et à vous abonner. Et puis, bah, sur ce les potes, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt, allez ciao.